Voilà, bon, on est normalement au bon endroit. On ne sait pas encore bien, donc on va rentrer ici. On est garé, pas là-bas. On est garé ni là-bas d'ailleurs, je sais même pas où on est garé. Ça commence par un tunnel de, je sais pas, 500 mètres à pied. Voilà, on arrive au bout des 200 mètres, je dirais plutôt 200, pas 500. Hein? Un avant-goût de la difficulté qui nous attend. En attendant, on va reprendre la route. Je pourrais annoncer 1,5 km. On verra bien. On est équipé comme des cosmonautes. On vient de démarrer la visite et on était en train d'écouter là avec la radio, c'est pour ça que ultime rappel de sécurité, tu vois, c'est vraiment normé. Bien au-delà de ce que c'était avant, et là on entre dans le vif du sujet. Hop. On entre donc dans le vif du sujet. Au final, ça va être très difficile de comprendre quelque chose à la visite. Parce que c'est écrit en... Il y a de l'anglais et de l'espagnol. Mais comme nous, on a deux mots d'anglais et trois d'espagnol, eh ben, je te dis pas. C'est pas gagné. Donc voilà, on est dans ce groupe anglais, parce que c'est quand même l'anglais qu'on comprend le mieux. Nathalie est en train de prendre une photo. La première d'une longue série sans doute. Allez, oula, putain, puis un vent de tous les diables. Voilà, allez, on dépeint la visite par ici. Voilà, là il est en train de nous montrer comme c'était à l'origine. On voit, je sais pas si on voit là, mais on est vraiment très très loin de l'original. Hein. Oh. Entre ce que c'était avant et ce que c'est maintenant, regarde, avec des garde-corps, des trucs, on est vraiment très très loin de l'original, mais enfin bon, au moins là on risque pas de se tuer, t'sais. Comme tu peux le voir, c'est hyper sécurisé, là c'est sûr que... On risque pas, tu tiens la nappe qui est derrière. Encore les vestiges. D'avant. On a à peine l'imagination de voir comme c'était avant, mais laisse tomber. Ça devient hyper dangereux. D'ailleurs, il y a plusieurs morts. Par jour, je n'en sais rien, tu sais. Oh, tu... Allez, on va essayer de rattraper quand même le groupe. D'où on vient là. Non, c'est vraiment impressionnant. On se rend pas compte, hein, forcément. T'as bien un vent de tous les diables, en fait, je suis même pas sûr qu'on entende. Ah ouais.
Impressionnant. Ouais. Je suis sûr qu'avec le vent, on n'entendra pas grand-chose. À la caméra, attends, il est en train de parler, attends, je suis là. On est repassé dans un souterrain. Avant ça devait être l'ancien souterrain qui continuait. Et ben dis donc. On vient de là-bas en face, tu vois la passerelle là? On vient de là-bas en face et on en est là. Je sais pas si tu vois où passait le Camino del Rey avant. Je sais pas si tu vois un peu le délire. Ah oh ben là ça valait le coup. Enfin ça valait le coup. J'aurais pas pu le faire, donc finalement vaut mieux que ce soit sécurisé au moins comme ça maintenant je peux le faire, sinon bah ouais voilà, il fallait prendre son courage à deux mains et puis y aller, voilà, tu l'aurais fait toi. Là tu vois une fois de plus hein, je te fais voir les vestiges là d'où passait l'ancien Camino del Rey en dessous là. Donc là pendant la visite il est tout en train de nous expliquer en anglais pourquoi il y a des rapaces qui tournent en l'air là-bas, parce que ben, il y a des termites. On est sorti du Camino del Rey à proprement dit, enfin celui qui est sécurisé. Alors, on a vu des bouquetins, alors tout le monde est allé les photographier. Attends, on va suivre le groupe en même temps. Ah, il est là. On vient de là-bas au bout, tout au bout de la... On a traversé la gorge, c'est là-bas le Camino del Rey. Donc là, nous on arrive d'ici, voilà, tac. On a traversé la gorge, je sais pas si tu veux voir à la caméra le train, enfin la voie de chemin de fer, le tunnel là. Tiens, il n'y a pas un train qui passe? Oh nom de Dieu, si ça y est, il y en a un. Regarde, là on a de la chance. Regarde ça. T'as vu ça? On a de la chance, il y a eu un train qui est passé. Ancien, je sais pas si on voit en dessous, tu vois. C'est là où passait l'ancien chemin des rois, avant qu'il soit rénové avec la passerelle et tout et tout. Et oui, regarde la natte. Tu n'aurais pas cru hein, qu'elle soit venue jusque là, toi. Regarde un peu. Et donc le fameux pont qui termine. On vient d'en face. Oui, donc là c'est comme je te disais, c'est le fameux pont qui clôture la. Putain, le guide il me casse les oreilles. Qui clôture le... Enfin, qui clôture, oui et non, mais... Le pont mythique de la fin du Camino del Rey. Ça passait.
Il y a des courants d'air chaud qui passaient là d'un coup, on s'est pas senti. Et on vient de là-bas au bout. Et là, je peux, tu vois, enfin prendre la caméra et te parler un peu normalement parce que là, on est à l'abri du vent. Bon, ben voilà, on a enfin fini les 9 km de Camino del Rey. On a trouvé de quoi se restaurer et acheter de la bière. Donc on va s'acheter un sandwich. Tiens, on va s'acheter un sandwich ici. Ça a l'air d'être des produits locaux. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. On va se quitter sur ce petit diaporama. J'ai essayé de réduire au maximum la durée du film, hein, sinon tu aurais décroché. D'ailleurs, je suppose aussi que tu préféreras regarder les vidéos d'avant la restauration. C'est beaucoup plus impressionnant. N'oublie pas d'aller voir dans le descriptif de cette vidéo. Je t'ai trouvé un lien d'une vidéo notamment qui m'a beaucoup plu. Je te la partage. Tu en trouveras peut-être d'autres, hein, à toi de regarder. Toutefois, ben voilà, c'est notre Caminito del Rey à nous. De toute manière, c'est maintenant le Caminito del Rey de tout le monde, hein, puisque la restauration étant finie depuis 2015. Bon, c'est un petit peu dommage, voilà, de passer partout. Là, ça passe, on saute vraiment du coq à l'âne, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment encadré et réencadré. Avec toutes ces obligations. Bon, c'est comme ça. Je te souhaite, donc on va se quitter là-dessus. Bonne semaine. À la semaine prochaine si tu le souhaites, si tu es toujours là. Moi, je serai là. Il y aura d'autres vidéos encore. Je sais pas encore exactement où je serai la semaine prochaine. Non, ben, je vais pas te spoiler parce que j'en suis incapable. Allez, salut, ciao, bye. Et n'oublie pas, si tu es abonné à la chaîne Odyssey, tu auras la vidéo dès sa sortie, sinon tu l'auras dimanche soir sur YouTube.